je vous présente donc tous les Pokémon qu'il va y avoir dans cet épisode. Donc Pidgeotto niveau 51, Wartortle niveau 52, Pikachu niveau 51, Ivysaur niveau 50 et Charizard niveau 50. Donc je pense pas faire évoluer Carapuff et Herbizarre dans cet épisode, peut-être dans l'épisode qui va suivre. Vous aurez donc Florizarre et Carapuff parce qu'il me semble qu'il y a un événement avec Carapuce et Herbizarre. Carapuce et Herbizarre dans le film, donc je pense pas pouvoir les faire évoluer. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun épisode entre le Picaouna et le film, parce que si je dis pas de bêtises, ils sont encore sur les îles écumes quand commence le film. Oui, ils sont encore sur. On ne sait pas si c'est les îles écumes, mais il faut savoir que c'est sur les îles, donc je penserais que c'est sur les îles écumes. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises aussi, il n'y a aucun combat. Aussi, j'ai fait tous les combats de toute la rivière, là, de toute la mer. C'est pour ça que mes Pokémon sont dans un niveau très haut. Donc je prie d'accueillir donc le dresseur du générique. C'est parti. Alors, et tu es toi là, faisant un combat, à moins que tu aies peur de perdre. Donc c'est lui, le dresseur de Inspire. Non, le dresseur du générique qui est un don, enfin première apparition de. Deuxième apparition, non, troisième apparition d'un Pokémon venant de Johto, oui. Donc, Wartortle, I choose you. Un Bubble Beam devrait suffire à le battre si je dis pas de bêtises. Il m'a fait quoi, la fléau? Ok, donc Bulldo, voyons voir si je le mets KO, c'est du spécial, il est fort en défense, 1 PV. Ok. Très bien. Merde, je voulais faire charge, j'ai fait Skull Batch. Le truc qu'il fallait pas du tout faire. Comme toujours, je me suis gouré, donc on va laisser le sang au maximum. Voilà. C'est parti. Ok. Ensuite, suivant. Venomoth, Aeromite, donc Pidgeotto. Du x4, un gros cruel, je devrais lui faire des dégâts. Voyons voir de quel niveau il est. Oh, 40, bon, ça va. J'ai cru qu'il était niveau 50, ça c'est pour ça. Allez, mets le KO, mets le KO. Même pas. Mais au moins, tu. Lui, il va pas me mettre KO, ça c'est sûr. On le termine avec Heal Attack. Voilà. Ensuite, nous avons Grolem. À toi de jouer. Ivysaur. Un coup de trancheur, mais ça devrait être vite réglé. Hop, Razor Leaf, go, x4, ça devrait faire des dégâts, cool. Ensuite, suivant, c'est qui? Pinsir, Scarabrut, ok, I choose you, Charizard. Go, j'espère que tu vas m'écouter cette fois-ci. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il se plaît dans sa confusion, très bien, heureusement. Ok, armure. Voilà. Donc, Flamethrower, il me tourne le dos, très bien. Case Break, oh, il y a type vol, ça devrait pas faire. Voilà. Allez, arrête de pas m'obéir, crame cet insecte dragonfeu. Il le faut, crame-le. Voilà. Allez, ciao. Rentre chez toi. Très bien. Et pour finir, Macronieur. Ah, allez, Pikachu. Je te choisis. Tonnerre devrait suffire, je suppose. Non, je pense que je vais lui infliger 3 quarts. Il a une excellente défense spéciale ou pas, Macronieur? Je sais pas. Pas du tout. Ok, corps perdu. Très bien. Et on le termine. Non, à chaque fois je me fais avoir. Oh, Seismic Toss. Il me fait frappe Atlas qui va m'enlever 40 PV. Ce n'est pas grave. Je voulais lui faire vive attaque. En point de vue de. Pas de touche d'emplacement. Ok. Oh non. Et là il s'enfuit en courant, en pleurant. Je recherche un combat de. Super truc. De jeune adresse.
l'ascenseur et je l'ai trouvé. Très bien. Il est où Dracolos? Il est là. Normalement, il démolit toute la... tout le pique-nique de Sacha et de ses amis. Le Dracolos a quelque chose pour vous. C'est un message holographique d'une jeune femme. Elle commence à parler. Félicitations, Danseur Pokémon. Tu as eu une invitation. Tu as été choisi pour rejoindre un groupe de dresseurs Pokémon à une fête spéciale. C'est donc orchestré par mon maître, le meilleur dresseur de Pokémon de tout. Et cet endroit se trouve donc dans l'île Nouvelle-Île. Un ferry donc quittera donc le port vieux pour te prendre à cette île vers l'après-midi. Seuls les dresseurs qui présenteront cette invitation seront admis. Si tu décides donc de ne pas y aller, si tu décides donc d'y aller, tu devrais te décider maintenant. Mon maître t'attend. Il y a une note qui dit si vous voulez y aller. Voulez-vous répondre oui ou non? Oui. Donc je reçois donc le ticket Néo. Très bien, ça je crois que c'est un événement, le ticket Néo. Ouais, je crois que ça débloque Célibi, si tu dis pas de bêtises. Voilà, comme dans le film. Ça pleut. Ok. Je voulais soigner mes Pokémon, mais la fermière à jouer a disparu et introuvable. Chansey, donc on peut pas soigner les Pokémon, donc on va retourner là. Old Shove, aucune idée de ce que ça peut être. Ah, ils sont là, les dresseurs. Je ne peux pas attendre d'être à la ligne ou d'une. Oui, je suis supposé être le meilleur dresseur Pokémon. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. On peut pas y aller parce que le ferry donc est fermé. Il y a trop de. La tempête est devenue trop forte. Voilà, c'est la pire tempête de tout jamais. Une méchante tempête qui a tué tous les humains. Voilà, il y a quelques temps en fait, il y a eu une tempête comme celle-là et ça a tué pas mal d'humains. La légende dit que si. The Water of Pokémon Tears. Ok, apparemment il y aurait une larme de Pokémon qui a restauré donc les vies perdues dans la tempête. Mais ces larmes ne pourront pas te sauver si tu essayes de t'aventurer dans cette tempête maintenant. Si tu veux essayer, toi et tes Pokémon seraient blessés. Et tu devrais. Tu n'as pas de chance parce que le centre Pokémon a été fermé aussi. L'infirmière qui était en charge du centre a disparu le mois dernier. Si tu la vois, laisse un petit message. Voilà, donc il faut faire. Là, les vagues sont très dures à manier, le courant est extrêmement puissant, mais voulez-vous aller quand même à l'île Nouvelle en utilisant votre radeau? Peut-être pouvez-vous utiliser le radeau? On essaye. Et voilà, ça se casse. C'est un trop fort le radeau. Puis c'est consumé par les vagues. Oh, trop bien! C'est trop bien fait, c'est comme dans Ruby Saphir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Tac. On va avancer. Cool. Ils l'ont bien fait ce truc. Normalement, oui, aussi, ça fait cracher en fait. Ben, en fait, c'est un Team Rocket qui les prennent à bord lors de vieux canot, dès qu'ils étaient en viking en fait. Sacha s'extirpe lui-même donc de l'eau. Mon maître te dit la bienvenue donc de l'île Nouvelle. Voulez-vous présenter votre invitation? Je lui montre le néo ticket. Très bien, tu peux entrer. Je ne suis pas donc l'infirmière disparue, on va dire. J'ai toujours été dans cette île depuis ma naissance et j'ai toujours été au service de mon maître. S'il te plaît, entre. D'accord, si tu veux. En plus, elle a l'air d'une infirmière jouelle, donc ça ne peut être que elle. La porte donc se ferme et bloque le passage derrière Sacha. Ah, tu as été très long. Moi, je suis monté donc sur mon carnage pour voler au-dessus de la mer. Très bonne initiative. Oh non, c'est des 10 000. On peut pas être soigné. Level Beam. Alors, Venusaur. Oh là là. J'aurais bien fait de pas faire ce combat. J'espère qu'elle peut nous soigner. Ok,
fais synthèse. Ne fais pas synthèse. Ok, flûte. Ok. Aïe, il fait mal. Ok. Bubble beam. Tiens, à chaque fois, il lui reste un PV. Au carnage. Ciao. J'ai pas vu qui c'était. On va mettre un sort. Ah, j'ai cru qu'il avait fait bait, c'est pour ça. Ok. Lui aussi, j'avance trop vite en fait. Allez. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Synthèse. Synthèse, on va déjà jouer comme ça, dégueulasse, vous savez. Tac, tac, sword dance. Il reste un PV, c'est pas du jeu. Ok, c'est bon. Non, on va pas combattre tous les dresseurs, hein. C'est trop dur. Hein. Allez, je relâche tous mes polygones. Yes, merci. Ah ben, je crois que je suis obligé. Allez, donc apparemment lui c'est des Pokémon atrocatiques qu'il a. Ok. Bon, désolé si je. Si j'avance, mais c'est pas vraiment intéressant ces combats. Oh, il m'a eu. Water drôle. Bugle Beam. Bubble Beam. Ah, Aquavac. Tonnerre. J'ai pas vu si c'était Carapuce et Bulbizarre bizarre dans la petite cinématique. Enfin, cinématique, je dis, voilà, vous m'avez compris. Si j'ai relâché Carapuce ou Carapaf, je pense Carapuce. Ah non. Autant pour moi. Il reste plus que la meuf. Oui. Oh non. Par contre, les Pokémon de Mewtwo, je crois qu'ils vont être au niveau 50. C'est ça. Je parie qu'on va faire un combat contre Mewtwo, sinon ce serait trop facile. Ok, Uldo. Oh, salope. Elle a fait exprès. Ok, excusez-moi du terme. Ça, mais je me suis laissé emporter. Wing attack. Tac. Lamantine fait. Et Tortank. Enfin, non, il en reste encore. Venard. Tonnerre. Ok. Rapidash. C'est qui ça, Rapidash? Oui, ok. On le termine avec Bubble Beam. Failli le terminer. Alors, c'est bon, normalement il y a trois dresseurs. Oui, normalement c'est bon. Ah voilà, le temps est venu pour vous de rencontrer le meilleur dresseur de Pokémon sur la terre, de la Terre. Ah, cette musique. Oui, je suis le plus grand maître de... le plus grand, oui, le plus grand dresseur de tous les Pokémon. Et aussi le plus puissant Pokémon de toute la Terre. C'est la règle donc... nouvelle île et bientôt tout le monde. Youtube. Taisez-vous depuis depuis quelques années. Oh, allez, ça va bien. Voilà. Eh bien. Allez. Pourquoi ça rebug? Oui. Ma tempête qui a créé donc mon propre monde a détruit le vôtre. Your Pokémon seront séparés. Donc en fait, il veut créer. Si vous avez pas vu le film, en fait, je vous le renvoie. En fait, il veut créer. Vu qu'il est un clone donc de Mew, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer à partir donc des Pokémon qui sont présents dans cette nouvelle île. Il va créer donc leur clone pour dominer le monde. En fait.
vous êtes que des esclaves humains et les Pokémon ne peuvent jamais devenir des amis d'humains. Pas que me conquérir, mes pouvoirs sont trop puissants. Aucun d'entre vous ne peut me battre. Ah, si tu es un Pokémon, je vois pas pourquoi je ne te capturerai pas. Go, Rhinocorn. Ah, comme dans l'animé. Ah, puis repart sur la table et... Normalement, après, c'est Léviator. Idiot, l'attaque de vos Pokémon ne peut rien faire contre moi. Ils sont trop faibles pour moi. Mes pouvoirs sont trop puissants. Aucun de dresseurs ne peut me conquérir. Toi, tu penses que tu peux me combattre dans un match? Très bien. Comme la plupart des dresseurs Pokémon, j'ai aussi commencé donc avec Salamèche, Carapuce et Lubizarre. Mais dans leur forme évoluée, j'ai utilisé donc le matériel génétique pour cloner et pour faire des plus puissantes copies. Laisse-moi te montrer le pouvoir de mes clones. Tous tes Pokémon sont prêts pour la bataille. Alors voyons voir de quel niveau ils sont. J'ai très 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 peur. Oh énorme, Mewtwo le dresseur va se battre, il envoie Florizarre. Oh, niveau 75, c'est une blague. Mais c'est une blague, niveau 75. On va jamais y arriver. Je crois que c'est fait exprès pour qu'on perde. Normalement, il perd. Oh, bah, ça bug au maximum, je sais pas pourquoi là. Ok, on va faire que des saintes attaques. Voilà, saintes attaques. Vas-y, saintes attaques. Saintes attaques. Yes, send attack. Yes, yes, ça peut pas aller plus bas, ok. Là, ce qu'on va faire, on va appeler Charizard. Et on va lui faire... Oh, mais t'es sérieux. Encore une fois, lance-flamme. Yes, il burn. Allez, démolis-le. Et on le termine avec la bordure. Yes. Ok, Tour Tank, Pikachu. Ok, Lance Pluie. Ça a dû faire mal. Ça. Alors, Pidgey Auto. Oh, j'aurais dû faire. C'est pas grave. Yes! Avec ça, ok. Dragon feu. Il rate toutes ses attaques. Steve Wing. Ah, vas-y, continue avec tes Steve Wing, s'il te plaît. Est-ce que j'ai encore une petite potion là, quelque part? Vas-y. Ok, Draco feu. Non, je vais pas perdre. J'étais à deux doigts de le gagner. J'ai pas un revive. Je crois que j'ai un revive. Revive, revive. Revive, revive. Allez, allez, j'ai une petite revive. J'avais une hyper potion, j'y crois pas. J'avais une hyper potion. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Je refuse. C'est pas du jeu. De toute façon, ça fait partie de du film, donc je pense qu'il faut se battre, être battu. Voilà. Je vais maintenant extraire l'ADN de vos Pokémon pour en faire des clones pour moi-même. Oui. Et après, donc, j'irai hors de cette île pour faire la même chose avec tous les Pokémon de la planète. Personne ne peut me battre maintenant. Voilà, hop. Il chope tous mes Pokémon. Hop, et hop, et il reste plus que Pikachu. Cours Pikachu, comme dans l'animé. C'est énorme, c'est bien fait. Hop, à 4, il réussit à les détruire. 1, 2, et 3, et voilà, il se fait choper. Capturé par le Pokémon, par la Pokéball. Et moi, je rentre par dans ce trou, Pikachu. Donnez-le-moi, c'est mon Pikachu. Et voilà, Pikachu. Donc, détruit. Donc, si il a sauvé, mais il a détruit la machine de clone. Donc, tous les Pokémon s'échappent. Ok.
Tu ne peux pas le faire à moi. Je ne te laisserai pas faire. Pas trop cool la musique. Il n'y a pas de fait comme ça. Je ne te laisserai pas faire. Donc en fait, ils se rendent compte que les clones, en fait, ils sont pas assez puissants pour les battre. En fait, ils sont de même puissance. Voilà, on peut pas se battre entre eux. Quoi, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dû être contrôlé par Mewtwo. C'est faux, tous les Pokémon qui se battent entre eux ne peuvent pas faire ça en fait. J'espère qu'ils ressemblent à votre jusqu'à leur mort. Vite, il faut arrêter Mewtwo. C'est inutile, tu ne peux pas me combattre. Ah. Voilà, donc il y a Mew qui arrive. Ça ne peut pas être toi. Mew? Nous nous rencontrons enfin. Tu dois être. Je suis cloné depuis ton ADN, mais maintenant je vais te prouver que Mewtwo est le meilleur, que l'original, supérieur à Mew. Ce monde est trop petit pour deux d'entre nous. Donc là, ils vont se combattre à mort. Je crois que Mew m'a frôlé. Ok, et là, on va essayer de. Non, allez, ça bug à ce moment précis. Ne bug pas. Voilà, merci. Stop, arrêtez. Comme ça vous voyez bien. Voilà, Sacha est complètement. Il s'est transformé en pierre. Idiot, essayez de nous de stopper notre combat. Pikapi. Donc là il va pleurer et c'est grâce aux larmes de tous les Pokémon qu'il va finalement revenir en vie. Pikachu essaye d'électrocuter Sacha pour qu'il revienne à la vie. Ouais, ça m'énerve là, c'est bug. Tous les Pokémon sont émus par le sacrifice de Sacha. Leurs larmes, s'écoulent autour de Ash qui revient à la vie. Non mais c'est sérieux là, pourquoi ça bug là? Sérieusement. Sérieux là? Arrêtez, j'ai pas envie que ça bug à ce moment précis. Sacha donc est revenu à la vie grâce aux larmes des Pokémon. Le sacrifice des humains, donc lui-même pour sacrifier, donc. Non, cet humain s'est sacrifié pour sauver tous les Pokémon. I pitted them against each other. Ouais, ben voilà, il se rend compte qu'il a pas dû faire ça en fait. Il aurait pas dû faire ça techniquement. Voilà, même les différences sont. On est différents, mais nous vivons en paix. Voilà. La leçon de morale. Je devrais peut-être. Voilà, I will not go. Je devrais peut-être passer là où mon cœur va prendre. Que le tien c'est déjà. I trust me, I will remember my power. Voilà, mais ces événements vont donc s'effacer de ton esprit. La mémoire de Sacha et. Les souvenirs de Sacha, voilà, les souvenirs de Sacha, de Mewtwo et de ses clones sont ont complètement disparu. Voilà, donc on va revenir à notre point de départ, c'est-à-dire là. Mais en fait, ce qui me chagrine, c'est qu'ils n'ont pas fait la suite originale, parce que si vous voulez, la suite c'est un hors-série, c'est pas un film. Entre guillemets, c'est un mini-film, ils auraient pu le qualifier dans le livret film Pokémon. Donc le ferry donc de la nouvelle ligne est revenu. Voulez-vous essayer d'aller donc non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là parce que ça me saoule les bugs pas possible là. Donc je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, c'est un signe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là pour cet épisode 9 de Pokémon version HOV. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce rouge si vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, ben, lâchez un petit pouce rouge. J'ai dit moi dans les commentaires ce que je dois rectifier pour le prochain épisode, comme ça le prochain épisode ce sera cool, il y aura moins de bugs, je sais pas pourquoi ça fait des bugs, aucune idée, ça arrive, frappe ça à une image par seconde, je ne sais pas pourquoi, hors type de merde, donc bref, partagez la vidéo et moi je vous retrouve donc.